Salut toi. Bon, tu sais, dans cette période un peu compliquée là, j'ai trouvé une psy qui me canalise. Tu le crois ça? Elle s'appelle Des. Écoute ça, c'est pour la route. Fuerza. Peur, haine, jugement, critique, notre quotidien qui nous étrique, manipule et asséché de toute envie d'aller connaître le vrai sens de la vie. On obéit sagement à notre bel ego, vivant dans une société plein d'escrocs, gérée par des ministres et cervelés, vendant leur âme pour des billets, intrus et abusés mais consentants, au nom d'idéaux fort abrutissants. Jaloux, envieux, des biens, d'autrui, tout vouloir pour soi mais rien pour lui, désireux d'en avoir plein les poches, on remet son cœur dans la pioche. Lui qui est devenu stupide, puéril, dans un monde tristement mercantile, on choisit les visages de nos masques, quand on porte fièrement l'esprit flasque, plus de sourire, plus droit au toucher, des robots sans cœur, bien fabriqués, le danger est suave, invisible et pervers, un sous-marin qui brise nos univers, qui sous prétexte de santé publique, annihile le sujet mouchardé aux flics, assujetti, endormi, voire comateux, on gobe atteint d'artifices ingénieux, d'une poignée d'idiots bien placés, piétinant la justice, l'amour, la paix. À quand le réveil, le sursaut ultime de nos âmes criantes des abîmes? À quand l'éveil de leur belle lumière cachée au fond de chaque prière? Ouvrons les yeux, buvons le breuvage, donnant la force de quitter nos cages, déployons nos ailes sans plus attendre pour être le phénix de nos cendres. Faut que j'y aille. Désolé. À la prochaine, c'est que le début. Ah, et au fait, Anaël, c'est aussi un ange là. C'est le mec qui fait ses peintures sublimes. Alors, va voir ce qu'il fait. Merci, Des.